proposition du nom de Premier ministre, de ma part, revendique. La proposition du nom du futur Premier ministre de consensus fait encore débat. Aujourd'hui, Christine Razanamassou, députée élue sous la couleur du MAPAR, a fait savoir que selon les dispositions constitutionnelles et les décisions et arrêtés de la Haute Cour constitutionnelle, la proposition de ce nom incombe au MAPAR. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Le HVM n'a aucun député élu sous sa couleur, a soutenu Christine Razanamassou. Selon toujours cette ancienne présidente de l'Assemblée nationale, c'est au MAPAR de proposer ce nom. La coalition des 73 députés est une coalition pour défendre le changement dans le pays. Nous, 73 députés, sommes unis actuellement. Il est selon moi plus légitime si l'un d'entre nous sera proposé, mais cela revient au groupe MAPAR de décider, soutient toujours Christine Razanamassou.